Salut à tous, c'est Jesse. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact pour la nouvelle mise à jour 3.2 et le test du nouveau personnage d'Aida. N'hésitez pas à y liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Avant toute chose, on va récupérer les nouvelles récompenses de la mise à jour. Et voilà ce qui nous intéresse. Et voilà, 600 primogènes, ça fait toujours plaisir. Alors le nouveau personnage à tester, l'Archon Dendro. Là nous avons le nouveau boss. La quête de Naida. Et nous, ce qui nous intéresse... Essayez, c'est l'adopter. Et la voici. L'Archon Dendro Naida. Toute mignonne. Elle est vraiment petite, hein. Son arme, une sorte de lampe magique. Ses artefacts. Ok. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, toute kawaii. Eh, du calme. Comment ça marche son truc? J'ai pas compris ce que je viens de faire. Cheese! Ah, ça fait quelques dégâts. Alors son déchaînement. Hey, on frappe pas les petites filles. J'ai dit quoi? Cheese! Ça a pas marché là. Oh, ça a pas fait beaucoup de dégâts. Hein. Allez. Besoin d'un petit coup de main. Ah quand même là ça a fait des dégâts. Hein. Une petite photo. Les réactions sont plutôt pas mal, hein. Ne frappez pas ma petite Naida, là. Esquive. T'as cru quoi, toi? Ah, ils sont deux, là. Oh, oh. Make yourselves at home. Help. Let's spark things up a little. Petite photo. Ah, je suis trop loin, là. Elle est plutôt pas mal, hein. Mais je vais pas l'invoquer, en tout cas pas pour l'instant. J'ai vraiment pas besoin d'un personnage de ce genre. J'avais prévu d'invoquer tous les archons. Mais pour celle-ci, je pense que je vais attendre. Voilà, c'est la fin du test. Allons voir les nouvelles bannières. Les voici, la nouvelle bannière de Naida. Et là, la bannière de Yoimiya. Et ici, la bannière des armes. Ah, il y a cet arc. Ah, ça serait tentant d'invoquer, là. Mais je sais même pas sur qui je pourrais l'utiliser. Alors dites-moi, vous, si vous allez invoquer pour Naida ou Yoimiya. Alors Yoimiya, je l'ai pas encore. Mais là, pour l'instant, les personnages, je vais attendre. Hein, parce que j'ai même pas encore cherché à farm les artefacts pour Ganyu. Parce que c'est quand même très long. Hein. Donc de mon côté, moi, je vais attendre. C'est vrai que je serais tenté d'invoquer pour l'arc. Mais je vais plutôt essayer d'avoir l'arme pour Utao et celle de la Shogun Raiden. Pour les autres, je verrai plus tard. Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la découverte de la mise à jour 3.2 et le test du nouveau personnage Naida. Sur ce, à la prochaine!